Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être parmi nous pour ce huitième webinaire thématique du réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO. Aujourd'hui, le webinaire sera donc sur les mesures élaborées par les villes francophones dans le contexte du Covid-19. Alors, avant de commencer la session, je voudrais juste faire quelques remarques logistiques pour les participants et les intervenants. Le webinaire d'aujourd'hui durera 1 heure. Il est déjà en cours d'enregistrement et l'enregistrement sera disponible sur notre chaîne YouTube, celle de l'UIL, et un lien sera partagé dans le chat pour que les participants et les intervenants puissent ensuite y accéder. Le format du webinaire d'aujourd'hui sera relativement similaire à celui de la semaine dernière et les précédents qu'on a pu avoir jusqu'à présent pour ceux qui étaient avec nous. Donc des présentations individuelles suivies d'une session questions-réponses avec une question à la fin de chaque présentation pour les intervenants afin de clarifier un point particulier lié ou en rapport avec les stratégies dont les questions dans les présentations. Si vous souhaitez recevoir les différentes informations, les présentations d'aujourd'hui et rester au courant au niveau des stratégies qui sont justement mises en place par les villes apprenantes de l'UNESCO en réponse au COVID-19, nous vous invitons à vous inscrire à notre bulletin d'information. Le lien sera partagé avec vous dans le chat justement de ce webinaire. Il est aussi disponible sur notre site web si vous y allez directement, donc sur uil.unesco.org. Il y aura 2 options aujourd'hui pour communiquer avec nous. Donc, les participants, on vous invite à communiquer avec le chat entre vous dans le cadre d'échanges ou autres. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit de poser des questions, on aimerait, si possible, que tout le monde se serve de l'option Q&A. Qui se trouve en bas de votre écran Zoom afin de poser toutes les questions. De cette façon, nous, quand on intervient à la fin pour poser les différentes questions aux intervenants, justement, on peut directement aller chercher les questions et on sait d'où elles viennent et par quel participant elles sont posées. Une dernière petite annonce, j'aimerais partager avec vous que la période pour déposer les candidatures au réseau mondial UNESCO des villes apprenantes est prolongée de 2 mois. Donc les villes ont désormais la possibilité de postuler jusqu'au 30 juin 2020 et les commissions nationales disposent d'un mois jusqu'au 31 juillet 2020 pour approuver l'ensemble de la procédure. Toutes les informations à ce sujet, y compris les formulaires d'inscription ou de demande d'adhésion, sont disponibles sur le lien qui va aussi s'afficher dans le chat. Pareil, vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations sur notre site uel.unesco.org dans la section Apprentissage tout au long de la vie et villes apprenantes. Voilà, donc avant d'introduire nos intervenants, je souhaite donner la parole au directeur de l'UIL, Monsieur David Atuarena, pour quelques remarques d'introduction. Bonjour, je tiens à vous remercier de participer à ce huitième webinaire sur les mesures entreprises par les villes apprenantes en réponse à la crise du Covid-19. Je rappelle que cette série de webinaires est organisée dans le cadre du réseau mondial de l'UNESCO des villes apprenantes. Ces webinaires visent à partager des expériences concrètes des villes membres du réseau et de servir ainsi de source d'inspiration à d'autres villes dans le monde. Hier, nous avons ainsi eu l'occasion de débattre de la question des réfugiés. Le webinaire d'aujourd'hui n'est pas thématique. Il a la particularité de s'adresser aux villes francophones, comme nous avions organisé une session en espagnol spécifiquement destinée aux villes de la région Amérique latine. L'espace francophone, c'est bien sûr d'abord une réalité linguistique, mais au-delà, c'est également un espace de coopération et de solidarité internationale, comme nous le verrons dans un instant à travers l'expérience des 3 villes apprenantes françaises, marocaines et camerounaises qui témoigneront aujourd'hui. Mais pourquoi poser la problématique de l'impact du coronavirus sur l'éducation au niveau des villes? Les villes sont l'épicentre de la pandémie, elles sont également en première ligne face à la crise sanitaire, économique, mais aussi éducative qui s'étend aujourd'hui à l'ensemble des pays. Alors que la moitié de la population de la planète est assignée à domicile et des écoles fermées, les administrations municipales participent à l'application des mesures de confinement. Dans ce cadre, elles mobilisent leurs services sociaux de proximité pour assister les plus faibles et faire en sorte que la continuité
pédagogiques décrétées par les ministères de l'Éducation ne restent pas lettre morte pour les plus démunis. Il y a quelques années, dans un autre contexte, un ancien maire de New York déclarait « Pendant que les nations parlent, les villes agissent. Aujourd'hui, face à la pandémie du Covid-19, les États sont tous mobilisés. Mais à leur côté, l'action sur le terrain nécessite l'engagement des villes. Certes, les villes seules ne peuvent pas résoudre cette crise, mais les États ont besoin de leur concours. » Dans ce contexte, cette série de webinaires offre aux villes apprenantes et à leurs partenaires une plateforme d'échange afin de mieux connaître les réalités locales et les actions d'urgence menées dans les territoires. À terme, l'ambition pour l'UIL est aussi de produire un recueil de bonnes pratiques des villes apprenantes. Conçu comme un outil au service des villes, il rassemblera les mesures qu'elles prennent pour contribuer aux côtés des ministères de l'Éducation à ce que l'on nomme aujourd'hui la continuité pédagogique. Certes, l'organisation de l'apprentissage scolaire et universitaire ne relève généralement pas de la compétence municipale, mais les villes ont un rôle déterminant pour protéger et accompagner les publics les plus vulnérables qui, nous le savons déjà, risquent d'être les laissés pour compte de l'enseignement en ligne et à distance pratiqué désormais à grande échelle et dans l'urgence. Ces bonnes pratiques concernent également les actions intersectorielles menées par les villes apprenantes en intégrant l'éducation et la formation à d'autres champs d'action publique, notamment l'action sociale, la protection de l'emploi et des entreprises et bien sûr la santé. Ainsi, les messages d'éducation à la citoyenneté et à la santé sont essentiels pour doter rapidement les citoyens des connaissances et informations nécessaires pour modifier leur comportement, réduire la progression de la maladie et aplatir la courbe de contamination. Les travaux et les échanges menés au sein du réseau mondial des villes apprenantes ont déjà illustré la pertinence de l'échelon local et de l'approche territoriale pour réaliser les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Au sein des politiques de la ville, l'apprentissage tout au long de la vie contribue à la réduction des inégalités par des projets municipaux de développement économique, social et culturel. C'est cette capacité d'action que les villes mettent aujourd'hui au service de la lutte contre la crise du coronavirus dans toutes ses dimensions. La pandémie n'a pas frappé tous les pays au même moment et avec la même intensité. Ces décalages et ces nuances nous permettent de tirer des leçons de l'expérience des villes dans des contextes très variés. La crise est loin d'être terminée. Mais dans certains pays, la vie normale semble reprendre, les élèves retournent peu à peu à l'école, les entreprises redémarrent et le confinement est allégé progressivement. Il faut alors préparer une rentrée scolaire d'un type nouveau et penser à façonner des lendemains meilleurs et certainement différents. Les villes apprenantes auront également un rôle à jouer dans la réorganisation de l'apprentissage tout au long de la vie, dans les changements qui sont nécessaires pour développer la résilience et contribuer à un développement réellement durable. Le niveau local est aussi un espace de participation, de citoyenneté, de démocratie. Demain, les villes apprenantes pourraient constituer un acteur émergent dans la réflexion qui s'annonce pour trouver ensemble des solutions durables et les promouvoir à l'échelle internationale à travers des réseaux comme celui animé par l'UNESCO ou celui des maires francophones. Voilà pour ces quelques remarques introductives. Je vais laisser maintenant la parole aux trois villes invitées pour cet échange et au secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones qui est également avec nous aujourd'hui. Merci Marie, je vous redonne la parole. Merci beaucoup David. Donc en premier lieu, on aura une présentation de Madame Danielle Valero, première adjointe au maire dans la ville de d'Évry-Courcouronnes en France, ville membre du réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO. En deuxième lieu, on aura Monsieur Mohamed Sefiani, président de la commune de Chefchaouen au Maroc, ville candidate au réseau. Monsieur Emmanuel Fekwa, coordinateur des villes apprenantes pour la ville de Mayo-Baléo au Cameroun, qui est aussi ville membre du réseau.
Et enfin, pour terminer, Monsieur Pierre Baillet, secrétaire permanent, Association internationale des maires francophones, qui nous donnera la dernière présentation. Et tout ça sera suivi donc d'une session questions-réponses. Et je me présente moi-même maintenant, c'est Marie Macaulay, donc je serai la modératrice pour le webinaire d'aujourd'hui. Madame Danielle Valero, vous pouvez commencer votre présentation et je vais tout de suite mettre vos slides sur l'écran. D'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par mon prédécesseur hein, juste avant sur le rôle de l'État et sur le rôle des collectivités locales. Donc moi, je me présente, hein, je suis Danielle Valero, je suis anciennement la maire déléguée d'Évry, mais actuellement la première adjointe d'Évry-Courcouronnes. Évry-Courcouronnes, c'est une ville dans la banlieue sud de l'Île-de-France, il faut quand même préciser un peu où on se situe. Une ville de 70 000 habitants et pour une ville très très jeune, pour vous donner un ordre d'idée, nous avons 10 500 enfants scolarisés en maternelle et élémentaire, donc 50 et quelques écoles, 6 collèges, X lycées. Donc une ville dont la moyenne d'âge a flirté longtemps en dessous des 30 ans, donc dans laquelle les questions éducatives sont très très importantes. Mais comme nous sommes une ville éducatrice, alors ville apprenante au titre du réseau des villes apprenantes de l'UNESCO, nous faisons aussi partie. C'est moi qui suis d'ailleurs dans pas longtemps à 15h une visioconférence avec le réseau français des villes éducatrices, toutes les villes qui ont mis l'éducation comme priorité dans leur politique publique. Donc voilà, on a déjà un tissu, des habitudes de travail qui font que chez nous, le projet éducatif de territoire, hein, pas seulement sur les aspects scolaires et scolaro-centrés, mais sur l'éducation tout au long de la vie, ça fait déjà longtemps, une quinzaine d'années au moins, qu'on travaille dessus. Alors là, vous pouvez éventuellement passer les diapos. Avec ce Covid-19 qui nous est un peu tombé dessus, évidemment, à tous, la ville, elle est forcément en première ligne. L'État est en première ligne parce que c'est l'État qui gère la santé, les hôpitaux, la PHP, par exemple, à Paris. Mais les villes sont toujours le maire. Hein. Le maire, je pourrais vous montrer... capture d'écran, ce qu'il reçoit par jour sur Messenger comme message, ce que nous recevons sur les boîtes mairies, les gens s'adressent toujours à la ville, pour tout. Où est-ce que je trouve un médecin? Où est-ce que je trouve des masques en ce moment? Où est-ce que je trouve un ordinateur? Comment je fais pour apprendre à mes enfants dans un petit logement, etc., etc. Les maires sont toujours, comme dit le nôtre, à portée de baffe. Et donc, on doit répondre à tout ça tout le temps, toute l'année, et encore plus, évidemment, quand on est dans une crise sanitaire. Qui n'est pas rassurante du tout pour les citoyens. Ce qu'on a fait, je crois, tout de suite, c'est qu'on a ouvert les écoles, enfin des écoles, pas toutes les écoles bien sûr, mais des écoles en priorité pour le personnel soignant de notre territoire, c'est-à-dire que que les gens puissent aller travailler comme infirmiers, médecins à l'hôpital, mais aussi en libéral, plus les forces des pompes de secours, les pompiers, etc., on a ouvert des écoles, centres de loisirs, cantines, restauration, y compris pendant les vacances, pour que toutes ces personnes puissent aller travailler dans de bonnes conditions. Ça s'est fait avec du personnel enseignant volontaire, mais aussi avec des animateurs de centres de loisirs de chez nous. Pareil pour les crèches, on a aussi ouvert une crèche et on a décidé de ne pas facturer ces prestations au personnel soignant en question, aux utilisateurs. Voilà, parce que situation exceptionnelle et donc ça marche toujours hein, aujourd'hui encore, on a 60 enfants ce matin dans les écoles d'Évry. Et puis on a tout de suite, avec cette histoire de continuité pédagogique, on s'est tout de suite rendu compte que pour certains ça serait facile, enfin facile, c'est jamais très facile la continuité pédagogique parce que les parents ne sont pas enseignants, bah, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des enseignants et bah, tous les parents ne peuvent pas le faire. C'est pas forcément facile pour ceux qui sont en télétravail, qui doivent en plus gérer les enfants, mais c'est surtout pas facile pour les. On est une ville, j'ai oublié de vous dire, on est une ville avec plus de la moitié de sa population qui habite dans les quartiers en politique de la ville, donc de l'éducation prioritaire. C'est pas facile de faire la continuité pédagogique quand on est dans un petit logement avec beaucoup d'enfants, et surtout quand on n'a pas les codes, et surtout quand on n'a pas les outils informatiques, puisque évidemment tout ça s'est fait beaucoup par le numérique. Donc tout de suite. Comme on a quand même des habitudes de travail avec nos enseignants, avec nos directeurs d'école, avec nos principaux de collège, qu'on connaît très très bien, on s'écrit par SMS, on est dans quelque chose de très liant, très facile,
tout de suite, les gens nous ont interpellés, les directeurs d'école nous ont interpellés en disant, là, il y en a un problème, on a tant de familles qui n'ont pas d'ordinateur, tant de familles qui n'ont pas de tablette. Et là, merci aux services, parce que moi, je suis plutôt dans mon canapé, dans mon salon, mais les services ont été plutôt beaucoup dehors. Merci aux services municipaux qui ont été livrés à domicile des ordinateurs. On est allé rechercher des tablettes qui étaient dans les écoles. On a livré aussi des tablettes, y compris avec des tutos, parce qu'il faut aussi expliquer des fois aux gens comment ça fonctionne. Je pense qu'on a fait le maximum là-dessus. Après, au bout de 6 semaines de confinement, il y a aussi beaucoup de gens qui ont un peu jeté l'éponge, comme on dit, même dans les catégories sociales moyennes ou supérieures, les gens en ont un peu ras-le-bol. C'est pas si facile de faire la continuité pédagogique à la maison. Bon, je pourrais développer ça pendant des heures, donc je vais essayer de raccourcir parce que sinon on va pas y arriver dans le temps imparti. Les services municipaux ont continué à travailler, hein, soit par internet, bien sûr, soit par mail, soit par téléphone, continuent à répondre aux questions de tout le monde sur les inscriptions scolaires, c'est l'époque. Sur les inscriptions en crèche, c'est aussi l'époque et il faut continuer le service public. Donc, je l'ai dit, hein, les prêts d'ordinateurs, vous pouvez passer peut-être à la slide, voilà. Les prêts d'ordinateurs, les hotlines pour aider tout le monde. Et puis, les distributions de fournitures scolaires. On est dans une ville où on donne au début de l'année des fournitures scolaires. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui en manquaient, donc on est allé aussi distribuer tout ça. Et puis beaucoup, beaucoup d'associations de terrain qui aident parce qu'elles impriment, parce qu'elles font des photocopies, parce qu'elles pensent au réseau d'échange et de formation réciproque à Évry. Beaucoup, beaucoup d'associations, heureusement, on a les associations sur des territoires comme les nôtres. Des associations qui aident, y compris les familles en termes de traduction des consignes sanitaires, qui assurent les liens, c'est ce qui est écrit à la fin de la slide qui vient de passer. Et puis, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez passer à la suivante, comme je disais tout à l'heure, heureusement, on est dans des réseaux, hein, quand à 15h, j'aurai une visio avec les villes éducatrices, on partage avec des villes comme... en l'occurrence, dans le réseau des villes éducatrices, je ne sais pas, moi, Brest, Nantes, Strasbourg, Lille, hein, comment tu fais toi et comment je fais moi. C'est beaucoup, beaucoup des échanges de pratiques qui fonctionnent. On se donne des idées et c'est très bien. On a aussi des visios, c'est plutôt les services que moi avec les villes, les autres villes apprenantes, donc Clermont, Mantes-la-Jolie et Montpellier. Je disais sur le réseau des villes éducatrices, par exemple Brest, ils sont les premiers qui ont mis en place les aides alimentaires. On a été prendre contact avec Brest, on a été voir comment ça fonctionnait et on essaye de faire à peu près la même chose. Vous pouvez passer. Bon, je ne vais pas vous lire lire tout ça parce que ça n'a pas grand intérêt. Je pense que tout le monde pourra avoir le PowerPoint après. J'ai parlé des écoles, j'ai parlé des services. On a aussi nos maisons de quartier qui sont en fonction, alors évidemment pas physiquement parce qu'elles sont fermées, mais les animateurs de maisons de quartier, y compris ceux qui s'occupent du classe, c'est-à-dire l'aide aux devoirs du soir, continuent à essayer de joindre les familles. Voilà. L'idée, c'est de ne pas perdre, et évidemment, on en a perdu et on en perdra forcément, de perdre le moins de gens possible et d'éviter le décrochage scolaire, mais pas que scolaire, éducatif. On se rend compte, on a une augmentation des violences infrafamiliales, on a une augmentation des violences conjugales, des violences contre les enfants. C'est évident que le confinement, c'est pas facile. Quand on a une maison, un jardin, tout va bien. Là, on a y compris des problèmes de sécurité. Vous voyez, dans ma rue, hier après-midi, c'était la course de la police nationale contre... il y a sans doute des problèmes de trafic qui ne peuvent plus exister. On a beaucoup, beaucoup de choses qui se mêlent. Et puis, des problèmes sociaux assez monstrueux, y compris en termes d'alimentation. Là, je dérive un peu par rapport au PowerPoint, mais ce n'est pas très grave. L'accompagnement social, les travailleurs sociaux, l'épicerie sociale, les associations humanitaires et pas que humanitaires. On a mis en place très, très vite un dispositif de livraison de courses et de livraison de la pharmacie aux personnes les plus, les seniors déjà, et puis les personnes
handicapés, âgés ou handicapés. Donc ça, ça se fait avec des volontaires de la ville, mais aussi avec des bénévoles, voilà, des gens, des habitants. On a travaillé avec les supermarchés du coin et puis toutes les pharmacies. Donc des aides financières, on est en train de travailler dessus, y compris surtout sur les deux premières tranches qu'on appelle chez nous de quotient. Voilà, on a, je sais pas si on a la santé tout de suite. Non, alors là, ça c'est bien. Comment on peut communiquer avec les gens pendant tous ces temps-là? Évidemment, pour ceux qui ont l'accès au numérique et qui savent s'en servir, les Facebook, Instagram, je disais tout à l'heure, les gens écrivent sur Messenger directement au maire, mais il y a aussi ceux qui n'ont pas les outils. Donc pour cela, ce sont des bulletins évidemment papier. Donc je vais vous montrer ce qu'on a distribué, je ne sais pas si vous voyez ici, ce qu'on a distribué, nous les élus en l'occurrence, le week-end dernier. Mieux vivre le confinement, continuer à, hop, je passe, il y a quand même beaucoup de choses, continuer à s'occuper tout ce qui tourne autour de la santé mentale, donc un document là en l'occurrence 4 pages avec des numéros de téléphone, des informations, des adresses, etc. Il ne faut pas oublier pendant ce temps-là, je suis aussi maire adjointe en charge de la santé. Bien évidemment, on incite les gens à continuer à se soigner. Voilà, en cas de maladie, c'est par exemple celui-ci, en cas de maladie chronique, c'est continuer à appeler votre médecin. On a très très peur qu'il n'y a plus personne, pas grand monde aux urgences, et on a très très peur que les maladies chroniques reprennent. Voilà, on fait ce genre de choses. Ça, en l'occurrence, on a quand même 35 000 boîtes aux lettres dans la ville. Ce sont les élus qui ont distribué ça tout le week-end. Voilà, donc j'ai parlé des maisons de quartier. Peut-être passer à la suivante. Alors, comment on travaille avec... ça, évidemment, nous, c'est la ville. Ça tombe bien comme question. Hier, par exemple, hier après-midi, on était en visioconférence avec le préfet. Donc, le préfet, en l'occurrence de l'Essonne, pour nous. Le préfet, la directrice des services académiques de l'Essonne, le responsable de l'ARS, etc. On essaye de se mettre... Alors, évidemment, on parlait beaucoup du déconfinement et donc de comment les écoles pourraient ou pas ouvrir et tous les problèmes que ça nous pose. Là, je m'adresse évidemment aux collègues des villes françaises. Quel niveau ouvre en premier, comment la distanciation sociale, des masques, pas des masques, quand est-ce qu'on est livré ou pas livré. Voilà, on assure, on continue à assurer ce genre de coordination. J'ai oublié de dire qu'on fait partie d'une agglomération qui fait 350 000 habitants. Hier, j'étais en conférence des maires avec les 23 autres villes de l'agglomération pour voir comment on travaille ensemble. Et le bon exemple à la fois de bénévolat et puis du travail ensemble, c'est qu'on a été sollicité par beaucoup d'associations et de bénévoles pour la fameuse fabrication des masques, les masques dits alternatifs, les fameux masques en tissu. Et bien voilà, la ville d'à côté de chez nous, en l'occurrence Ris-Orangis, achète le tissu, fait la découpe, on reprend les tissus et on a mis à disposition deux gymnases, en gros deux salles municipales pour les associations qui vont venir avec leurs machines à coudre. Donc on est allé rechercher partout dans les maisons de quartier des bénévoles qui vont venir aussi travailler là. On espère pouvoir produire notre fameuse manufacture locale, on pourrait dire. Là, c'est typiquement l'exemple de la coopération entre associations, bénévoles et les villes pour répondre à ce problème quand même de masques qui n'arrive pas. Et que... Merci Madame Valero. Est-ce qu'il vous reste quelques remarques afin de terminer pour qu'on passe à la prochaine présentation, s'il vous plaît? Et donc voilà, juste pour finir mon histoire de masque, parce que c'est quand même très important, c'est la première question que les gens nous posent tous les jours, c'est comment je fais pour trouver des masques. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme après cette voilà, et donc à part tout ce que je viens de dire, les exemples des exemples de coopération entre voilà l'État, les villes, les associations, les bénévoles, les volontaires. Et heureusement que tout ça existe, parce que dans ce genre de crise, sinon, je pense qu'on aurait été très, très mal. Après, je peux répondre à plein d'autres questions, évidemment. Merci beaucoup. Je souhaite simplement rappeler donc aux participants qui écoutent les différentes présentations de se servir de l'option Q&A qui se trouve sur votre écran afin de poser des questions directement aux intervenants. Si je peux me permettre de vous poser une petite question rapide avant de passer à la prochaine présentation, Madame Valero.
Est-ce qu'au sein de la ville, il y a eu des stratégies ou des ressources de développer, de mise en place pour aider et accompagner les parents dans leur nouveau rôle d'éducateur au sein de la maison, de la famille? Oui, parce que j'ai oublié de parler de la réussite éducative. On est une ville qui a un dispositif de réussite éducative, donc on a des référents, etc. Ils ont pu aller aider les familles qu'on connaît, qu'on suit déjà à la réussite éducative. Mais à l'échelle d'une ville aussi grande que ça, je disais tout à l'heure 10 500 gamins scolarisés, bien évidemment, on n'a pas pu aider tout le monde. Principalement les gamins suivis par la réussite éducative, ce qui représente quand même 500 Évry, 200 et quelques à Courcouronnes, en gros, oui, 600 ou 700 gamins, pas tout le monde, tout le monde n'a pas demandé. Mais en tout cas, ce qu'on a essayé de maintenir avec ces gamins, ces enfants-là, c'est le lien aux enfants, le lien aux familles, par le téléphone, par les choses qu'on sait déjà faire, mais à une échelle pareille. Mais bon, les enseignants ont bossé et travaillé énormément pour assurer la continuité, y compris par des coups de fil aussi, par les fameuses photocopies dont je parlais, parce que... Mais c'est difficile. On n'est pas enseignant quand on est... Même avec beaucoup de bonne volonté, et puis les conditions de logement font que ce n'est pas si facile. Ceux qui ont deux, trois enfants de différents niveaux... Personnellement, je ne sais pas comment ils ont fait parce que c'est quand même très difficile. Justement, oui. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on aura d'autres questions un peu plus tard. Donc, on va passer à la deuxième présentation. Monsieur Sefiani de la ville de Chefchaouen au Maroc. Alors, on vous voit. Je ne pense pas qu'on puisse... Voilà, on vous entend. C'est super. Je vais tout de suite mettre votre slide et je vous invite à commencer. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je remercie le réseau mondial UNESCO des villes apprenantes m'avoir donné la possibilité de partager ce qui se passe au Maroc et ce qui se passe en particulier à ma ville, au niveau de la ville de Chefchaouen. La ville de Chefchaouen, on passera au deuxième slide? Oui, exact. Donc la ville de Chefchaouen, c'est une ville que l'année prochaine, on va célébrer 550 ans d'existence. Il a été fondé en 1471, c'est une ville de 50 000 habitants. Il est chef-lieu de la province de Chefchaouen, qui est de 480 000 habitants. Et il a été classé patrimoine immatériel de mondial de l'humanité UNESCO en 2010, dans le thème de la dieta méditerranéenne, donc le style de vie méditerranéen et notamment gastronomique. On passe au deuxième, Marie. Oui, on a, par rapport à la ville de Chefchaouen, pour nous, l'environnement, le patrimoine, le climat, le développement durable, c'est important. On a gagné quelques prix les dernières années qui sont affichés au niveau de ma présentation. On passera à l'autre. Donc, par rapport à la situation actuelle de la pandémie au Maroc. Donc le premier cas a été détecté le 2 mars 2020. Le nombre de cas, moi c'est affiché parce que j'ai envoyé la présentation avant-hier soir, mais aujourd'hui il y a 2 heures, donc nous avons 3537 cas confirmés, 151 décès, et au niveau de la ville de Chefchaouen et toute la province de Chefchaouen, bien heureusement, on est toujours à 0 cas. Donc, on passe slide suivant, s'il vous plaît. Oui, donc, dès les premiers jours, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a créé un fonds spécial, a demandé la création d'un fonds spécial COVID-19, avec des fonds publics, et puis ça a été ouvert à des fonds privés, en particulier des donations. Et ça pour faire face aux aspects liés à l'infrastructure médicale et hospitalière, et aussi à appuyer l'économie et les volets sociaux. Tout de suite, il y a eu la suspension des liaisons aériennes et maritimes internationales. Et juste après, même national, il y avait des arrêts des liaisons aériennes nationales. Fermeture des écoles, des lycées, des universités, à compter du 16 mars. Puis, il y a eu la déclaration de l'état d'urgence sanitaire
pendant un mois, du 20 mars au 20 avril. Donc, confinement, circulation très restreinte avec un système d'autorisation, etc. Puis, il y a eu le 6 avril la décision, une fois l'OMS l'a recommandé, ça a été pris au Maroc, là, cette décision-là, l'usage obligatoire des masques de protection. Et bien sûr, avec des mesures qui ont été prises au niveau national par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour la fabrication et la production en masse de ces masques de protection. Et aussi des systèmes de livraison dans les espaces de proximité, en plus des pharmacies et des grandes surfaces. Puis, bien sûr, il y a eu la décision de mobiliser aussi les médecins et les corps sanitaires militaires pour appuyer leurs collègues au niveau du ministère de la Santé. Il y a eu la prolongation de l'état d'urgence sanitaire qui est prolongée maintenant jusqu'au 20 mai. Donc, il y a eu aussi beaucoup d'autres mesures qui visent à limiter l'impact socio-économique de la pandémie. Il y a la suspension du paiement des charges sociales pour les entreprises et pour les micro-entreprises, et voilà. La mise en place d'un moratoire pour le remboursement du crédit bancaire, le report des échéances fiscales, les mesures en faveur des salariés en arrêt de travail, donc ce sont des indemnités forfaitaires mensuelles du 15 mars jusqu'au 30 juin. Et puis aussi appui même les gens qui n'ont pas la sécurité sociale, donc il y a l'appui à l'économie informelle à travers des subventions et des aides directes aux bénéficiaires en fonction de la taille du ménage. Au niveau local, est-ce que je dis pour Chefchaouen est pratiquement la même chose qui a été fait au niveau de toutes les villes et communes marocaines sauf quelques spécificités et particularités d'un certain nombre de communes, mais globalement, c'est ça ce qui a été fait. Des larges campagnes de désinfection des espaces et bâtiments publics. Les contrôles des entrées de la ville avec désinfection des véhicules. Donc, pour se déplacer d'une ville à une autre, on devra avoir des autorisations qui sont données par la préfecture, chez nous par la province. Aussi la mise en place des portes pas des portes mais des tentes de stérilisation, mais il y a eu un communiqué du ministère de la Santé et du ministère de l'Intérieur comme ça que ça soit très bien utilisé et conforme aux normes, et aussi la suppression des marchés hebdomadaires et création beaucoup de marchés de proximité des quartiers pour éviter lors de l'approvisionnement dans les alimentaires et notamment les légumes, les fruits, etc., de s'approvisionner à côté de chez lui et pas dans un système avec des foules et des grands marchés que nous avons d'une façon ordinaire. Et donc aussi, bien sûr, nous, au niveau de la commune, nous avons fait des transformations budgétaires et ça pour aider les familles. Parce que ça c'est coordonné par les représentants du ministère de l'Intérieur, notamment le gouverneur qui est l'équivalent du préfet et les autorités locales qui dépendent du ministère de l'Intérieur. Donc il y a des dotations qui sont données à ce comité-là par les différents conseils communaux, la région, la province, etc. pour les distribuer aux familles démunies. La mobilisation aussi, une grande mobilisation des associations et de la société civile en général pour la sensibilisation et les actions sociales. Aussi la sensibilisation, nous, au niveau de la commune, on l'a fait aussi, on l'a fait à travers les réseaux sociaux, à travers, bien sûr, des façons à distance, et aussi tout ce qui est apprentissage des principes d'hygiène et installation des savonnières pratiques au niveau des fontaines d'eau, etc., de quelques innovations au niveau local, pour aider, bien sûr, les gens à mieux se confiner et appliquer les mesures prises au niveau national par le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur.
Au niveau du monde de l'éducation nationale, que ce soit au niveau primaire, au niveau secondaire, au niveau universitaire, au niveau de la formation professionnelle, ça, bien sûr, pour nous, au Maroc, les communes n'ont pas cette compétence-là. La compétence, elle est au ministère de l'Éducation nationale et qui est, bien sûr, qu'il y a des directions provinciales et des académies régionales. Donc, nous coordonnons avec la direction provinciale de l'Éducation nationale et aussi de la formation professionnelle. Et ça, dans le cadre des comités qui sont présidés par les gouverneurs. Qu'est-ce qui a été fait au niveau national? C'est la création des plateformes numériques pour l'apprentissage à distance. L'élaboration des cours pédagogiques pour chaque niveau scolaire qui sont filmés par des enseignants et diffusés sur trois chaînes télévisées marocaines pour garantir l'égalité des chances. Parce que oui, il y a donc les plateformes numériques qui sont intéressantes, mais tout le monde n'a pas l'accès au Wi-Fi, notamment dans le monde rural et dans des quartiers défavorisés. Et aussi, lorsqu'on a 3-4 enfants et on a un seul ordinateur, c'est pas toujours la meilleure façon de recevoir les cours, de bénéficier des cours. C'est pour cela, il y avait cette idée qui nous paraît très intéressante de faire passer les cours, de diffuser les cours pédagogiques au niveau des chaînes nationales. Et là, ils sont accessibles à tout le monde. Tout le monde a la télévision consommante peut en bénéficier. Les opérations d'éducation à distance sont limitées à 4h30, décision du ministère de l'Éducation nationale, et bien sûr des cours d'appui qui seront prévus après la réouverture des écoles, en principe le 20 mai, on ne sait jamais s'il y aura prolongation ou non en fonction des données, et aussi l'activation des programmes d'activité physique à domicile, donc ils se font. Et aussi, bien sûr, tout ce qui est examen, c'est interdit de faire des examens à distance. Donc, ils seront programmés juste après le déconfinement et la réouverture des écoles. Moi, j'essayais un petit peu de synthétiser un petit peu les différentes mesures et l'état au niveau l'état de la pandémie au niveau Maroc, au niveau de la commune. Et comme j'ai dit, au niveau de la commune de Chouchaouen, ce qui se passe à la commune de Chouchaouen se passe aussi en général partout dans les autres communes du Maroc. Nous sommes à peu près 1500, un peu plus de 1500 communes au Maroc, de différentes tailles. Et aussi, je termine par remercier encore une fois le réseau mondial UNESCO des villes apprenantes. Nous avons déposé notre candidature et là aussi, je salue et je remercie notre ministère de l'Intérieur, notre ministère des Affaires étrangères et l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme qui nous appuie dans cette démarche-là. Merci Monsieur Sefiani, merci beaucoup pour cette vision globale de ce qui se passe à Chefchaouen, mais aussi dans le reste du Maroc. Donc je sais qu'on commence déjà à être assez limité dans notre temps pour continuer le webinaire. J'ai une question qui revient assez souvent, qui est revenue d'ailleurs assez souvent dans nos webinaires précédents. C'est la question à savoir comment vous faites pour identifier les personnes les plus vulnérables, les personnes qui auraient un accès très limité ou inexistant aux différentes ressources technologiques et pour justement leur apporter un soutien pédagogique et une éducation que les autres auraient accès. Oui, non, par rapport aux familles défavorisées ou démunies, il y a un système national qui s'appelle RAMIT. RAMIT, donc c'est une assurance maladie qui est mise en place pour les personnes qui ne sont pas inscrites dans la caisse de sécurité sociale. Et là, ça concerne des personnes démunies. Il y a toutes, bien sûr, ils sont recensés. Il y a des banques de données au niveau national, au niveau provincial, au niveau local. Et puis, il y a donc la société civile qui travaille maintenant avec le partenariat de la province et aussi de notre municipalité et des autres acteurs locaux. Et là, on fait un ratissage général au niveau des quartiers. Il y a une soixantaine de personnes qui sortent, qui sont divisées sur trois groupes, qui,
bien sûr, en respectant les mesures de distanciation sociale, le masque, etc., pour recenser les familles démunies, et notamment celles qui ont besoin des aides, et notamment des aides sociales. Très bien, merci beaucoup. Merci, M. Sévenier. On va passer maintenant à la présentation de notre collègue, M. Emmanuel Fekwa, de Mayo-Baléo, Cameroun. Monsieur Fekwa, je vous en prie, allez-y. Merci, bonjour à tout le monde et merci de cette opportunité que le réseau mondial des villes apprenantes nous donne de pouvoir nous exprimer justement sur cette situation qui touche le monde entier, notamment la crise du COVID-19. Alors, en bref, la commune de Mayo-Baléo est une ville apprenante de l'UNESCO qui a été en 2017 ayant reçu le prix international de la ville apprenante pour les actions menées dans le domaine éducatif. Et la ville est constituée, en réalité, c'est une commune qui est constituée de 40 villages, donc des villages satellites autour de la ville principale qui est Mayo-Baléo. Alors, la question sur la crise du COVID-19 est prise ici avec sérieux et nous suivons en fait les mesures prises par le gouvernement central pour éviter qu'il y ait justement la propagation de cette maladie-là. Pour le moment, au Cameroun, nous sommes à un peu plus de 1000 cas. Et les agglomérations telles que Yaoundé, Douala, Bafoussam. Donc, pour le moment, dans la région de la Damawa, où se trouve la commune de Mayo-Baléo, nous avons 3 cas à Ngaoundéré confirmés. Et à Mayo-Baléo même, nous n'avons pas encore de cas confirmés. Mais au vu des mesures de restriction de distanciation sociale qui ont été prises par le gouvernement de la République, la commune s'évertue justement à mettre cela en œuvre pour éviter que cette maladie puisse entrer dans la ville et se propager. Et concrètement, ce qui se passe, avant d'en arriver là, j'aimerais d'abord vous dire, malheureusement, je n'ai pas préparé de diapo parce que lorsque vous m'avez contacté, j'étais dans une zone très éloignée de la commune où il n'y avait justement pas de connexion Internet et autres. Et donc, pour ce qui est des actions menées jusqu'ici, il faut dire que la commune a dans ses prérogatives l'éducation sur le plan primaire, sur le plan maternel. Nous nous occupons de ces écoles-là. Et aujourd'hui, c'est 35 écoles qui sont à l'arrêt parce que dans toute la République, les cours ont été suspendus dans les écoles. Nous étions déjà à la fin du deuxième trimestre de l'année, donc c'est assez difficile à ce niveau-là. Nous avons 3 écoles primaires maternelles et le tout pour au total c'est environ 7000 élèves qui se retrouvent à la maison dans notre commune. Et ce n'est pas justement évident pour les enseignants, pour les élèves et autres, pour les parents aussi qui sont un peu limités. Parce que le contexte, justement, est net, donc ce n'est pas évident. Donc, nous avons d'abord soutenu nos communautés à travers les mesures barrières, c'est-à-dire la sensibilisation. Nous avons distribué des seaux, nous avons distribué du savon, nous avons distribué des gels, pour permettre justement aux populations, où qu'elles soient, de pouvoir se laver les mains. Et c'est devenu de règle dans les services publics ici. Tous les services publics, avant d'entrer dans un service public, il faut justement se laver les mains. Il faut porter un masque. Moi, je l'ai enlevé juste pour les commodités et parce qu'on est en vidéoconférence. Donc, et le maire, justement, le maire de la commune de Mayo-Baléo, M. Amadou Dedida, le sous-préfet, qui est le dépositaire de l'autorité de l'État dans l'arrondissement, se sont déplacés dans chacun des villages pour sensibiliser les populations à cette pandémie-là et pour veiller au respect justement des mesures prescrites par le gouvernement central. Donc, on a interdit également des regroupements de plus de 50 personnes et il est formellement interdit d'ouvrir les débits de boissons. Donc, actuellement, les gens ne peuvent pas ouvrir les bars et autres. Donc, c'est formellement interdit. La commune veille justement par le service d'hygiène et salubrité à la mise en œuvre de cette recommandation-là pour éviter que les gens ne puissent violer ces principes. Maintenant, au sein des communautés, nous avons
les jeunes de la commune qui ont décidé, qui sont venus voir le maire pour apporter leur contribution. Et là, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est de veiller à l'entrée et à la sortie de la ville avec une barrière. Ils vérifient tout le monde qui passe doit en fait être passé au scanner. On doit vérifier certaines informations et autres. Donc, ils sont en train de veiller jour et nuit justement pour que tous ceux qui entrent dans la ville ou bien tous ceux qui en sortent soient enregistrés et qu'un certain nombre d'informations soient prises pour éviter justement qu'on ait des situations désagréables dans le futur. Ces jeunes également sont allés dans chaque village des communes et ça c'est permanent puisque nous avons des villages très éloignés qui sont à plus de 50 km du centre-ville de Mayo-Baléo et c'est... Donc là-bas il n'y a ni téléphone, il n'y a pas internet et autres, donc il faut aller sur place pour parler aux gens. Et nous avons justement fait en sorte que les personnes qui se déplacent dans ces villages-là, ce soit des groupes restreints, il ne faudrait pas justement qu'on rassemble des foules parce que ça va aller à l'encontre de ce qu'on veut éviter, justement que plusieurs personnes se rassemblent. Donc, actuellement, dans les villages, on a des groupes de 2-3 personnes qui vont sensibiliser les populations là où il n'y a ni téléphone, ni radio, ni internet. Donc, voici à peu près ce que la commune est en train de mener. Maintenant, pour ce qui est de l'impact sur perturbé, parce que nous travaillons avec un réseau de partenaires au niveau local et étant donné que les mesures gouvernementales prescrivent que les déplacements soient limités, ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il faut se déplacer. Nous ne pouvons pas donc nous déplacer pour aller comme d'habitude, pour aller chercher des partenaires, pour aller dialoguer avec nos partenaires comme d'habitude. Nous utilisons des moyens, des médias, Internet, le téléphone, mais ça ne suffit pas pour certaines ou d'autres choses. Pour le moment, toutes les écoles sont fermées. Nous avons également notre centre d'alphabétisation en langue locale qui a aussi arrêté ses activités parce que nous ne pouvons pas fermer les autres écoles et laisser les gens se réunir dans nos centres. Pour le moment, c'est fermé et nous attendons justement que la crise puisse se décanter pour que nous puissions arranger la situation. Donc, voici ce que je peux dire. Je ne sais pas, peut-être il doit y avoir des questions et autres. Donc, vraiment, je n'ai pas préparé grand-chose, mais voici la situation globale. Merci beaucoup, Monsieur Takwa, pour cette vision d'ensemble, encore une fois, de ce qui se passe au Cameroun, à Mayo-Baléo en particulier. Je pense que ce serait intéressant pour nous de savoir peut-être comment est-ce que vous estimez ou comment est-ce que vous pensez que l'apprentissage va pouvoir continuer malgré les conditions qui sont présentes dans les différentes communes et dans la commune de Mayo-Baléo. Et peut-être vous pourrez nous parler un petit peu plus en détail, si possible, du rôle peut-être de l'apprentissage au sein des familles, quel rôle jouent les parents et les familles dans ce contexte de crise. Si je peux vous demander de respecter un temps d'une minute pour répondre à cette question et puis après on pourra y revenir quand on aura écouté la dernière présentation avant de passer aux questions-réponses. D'accord. Pour ce qui est de quand est-ce qu'on va reprendre, bon, le gouvernement a fixé un délai jusqu'au 1er juin. Et jusque-là, les fêtes nationales sont arrêtées. Il n'y aura pas de 1er mai, fête du travail, il n'y aura pas de 20 mai, la fête nationale. Donc, ce que nous préconisons actuellement, c'est l'apprentissage à travers la radio. Parce que les populations pas d'électricité peuvent utiliser des postes récepteurs radio pour apprendre. Et là, il y a donc des programmes spécifiques dans les radios qui permettent aux élèves du primaire, aux élèves même du secondaire, de pouvoir étudier à travers la radio. Et la commune, dans cette situation-là, pour le moment, nous sommes un peu butés parce que notre projet de radio communautaire, nous l'avons monté, nous n'avons pas encore finalisé. Donc, nous sommes butés à cette difficulté-là. Donc, c'est à peu près ça. Le deuxième aspect, j'ai un peu oublié, vous avez parlé de... Allô? Oui, vous m'entendez. Je vous ai posé une question assez générale sur le rôle justement des familles au sein de la crise, oui, dans le contexte de la pandémie. Là, j'ai des familles. Nous avons vu que les familles sont en train de s'organiser. Alors, dans le quartier, généralement, lorsqu'on a quelqu'un qui a un niveau assez élevé ou bien qui
l'institut, dans la famille. C'est lui qui entretient ceux qui devraient être à l'école, en fait. Il les entretient, il les éduque en attendant que la situation puisse revenir à la normale. Et les autorités locales soutiennent cette manière de faire là au sein des familles pour éviter que les gens puissent se rassembler convenablement comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. On va passer donc à la présentation de Monsieur Bayet. Je vois que Madame Valero s'est reconnectée. Ah mais j'étais là. Hein. Non, pardon, pas reconnectée. Vous avez juste raffiché votre vidéo. Oui, mais j'étais là. Très bien. Donc on peut continuer. Donc Monsieur Bayet, je vous invite à prendre la parole. Est-ce que vous nous entendez? Alors nous on ne vous entend pas. Attendez, je vais. Voilà, je vous entends. C'est bon. Allez-y. Merci, merci Madame. Bonjour à tous et à tous. Donc, vous le savez, l'IMF est un réseau de villes spécialement francophones, enfin en principe de villes francophones, et qui est présidé par la maire de Paris. Et notre objectif, c'est de faire évoluer la gouvernance. La gouvernance, donc la cible, ce sont les maires et les hauts fonctionnaires des villes. Pour atteindre cet objectif, nous avons des outils qui mettent en avant notre manière de faire, qui consiste toujours d'associer la réflexion à l'action. La réflexion et l'action dialoguant entre elles pour avoir une meilleure gouvernance. Pour prendre l'exemple de la lutte contre le Covid, nous avons donc comme outil d'information une lettre. En principe, la lettre d'information elle est mensuelle, mais depuis la crise, elle est hebdomadaire. Alors, cette lettre informe, met en avant des exemples d'information des populations, elle met en avant des exemples de lutte contre la circulation du virus et puis aussi des exemples de protection des soignants et enfin des exemples de soutien à la population, de soutien à l'aide. Nous avons aussi des rencontres d'experts. Ce qui a été, nous en avons eu deux rencontres d'experts, l'un avec le docteur Klein qui est un chef de clinique à Wuhan. Et un autre vendredi dernier avec le professeur Sall de l'Institut Pasteur de Dakar. Et ceci, le but, c'est de sensibiliser toujours les maires sur la distanciation et sur les tests. Et enfin, je vous ai dit, dialogue entre réflexion et action, il y a des projets concrets. Dans un premier temps, on a mobilisé 1 350 000 euros de projets concrets, de projets de terrain, première tranche. Donc autour de la sensibilisation, autour de l'hygiène, des masques, des centres de santé, pour les faire monter en puissance. Donc globalement, l'IMF a véritablement un projet éducatif continu en matière de gestion. On ne fait jamais de la substitution et on est toujours en appui au faire-faire. Et pour cela, comme je vous l'ai dit, nous avons des outils. Alors, celui auquel je tiens le plus à cœur, c'est une revue, la revue Résonance, qui est en ligne et qui est animée par des philosophes, des sociologues, des urbanistes qui s'intéressent à la gouvernance de la ville. Alors, depuis 2013, on a pris ce risque et on a parlé de l'importance de l'inspiration dans la gouvernance locale, de la prise de risque dans la gouvernance locale, de la gestion des pouvoirs qui structurent les territoires, de l'importance du leadership des maires, de la mémoire et du développement, de la ville intelligente, du pouvoir autrement, c'est-à-dire pour nous, de la féminisation du pouvoir, du vivre ensemble, de la gestion des complémentarités, du marketing territorial, du fait religieux dans la gouvernance urbaine et plus récemment sur le rôle de la data dans la gouvernance de la ville. On a aussi l'autre, je dirais qu'au morceau, c'est notre site internet et qui est tout aussi didactique. Notre objectif, ce n'est pas à travers le site internet de dire ce que l'on fait, c'est-à-dire de se vendre, de nous valoriser, de nous raconter, mais au contraire, d'en faire un site de service. Alors, il y a un MOOC, je dirais, adapté à notre public, c'est-à-dire des maires. Ce n'est pas un MOOC d'universitaire, c'est un MOOC extrêmement didactique avec des personnages de dessin animés pour faire passer ces messages de la manière la plus fluide possible. C'est d'un coût très élevé, ça, la constitution de ce MOOC.
Nous présentons aussi des expériences de ville, comme vous le faites, comme vous l'avez dit. Nous avons aussi des présentations de maires, d'associer une ville, un maire et un problème particulier et sa façon dont il a été résolu. Et enfin, avec toujours cet état d'esprit qui est représenté par notre goût pour la caricature. Tout au long de nos actions, on essaye de mettre en avant des caricatures, des caricaturistes pour animer ce débat. Et comme toujours, un dialogue constant entre le local et le national. Pour nous, il y a trois grandes entités démocratiques, les maires, les élus locaux, les parlementaires et les présidences de République, c'est-à-dire les pouvoirs centraux. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que ces trois pouvoirs issus du suffrage universel s'habituent à dialoguer entre eux et qu'il n'y ait pas d'opposition les uns avec les autres. Et vous le savez aussi bien que moi, l'opposition entre les pouvoirs centraux et les grandes métropoles, je ne citerai pas de pays ni de ville, sont des situations relativement fréquentes. Alors actuellement, nous avons deux grandes préoccupations. La résilience, nous avons eu une réunion importante l'an dernier à Kigali, la résilience de ce pays après le génocide des Tsi, et puis une deuxième réunion à la fin de l'année à Phnom Penh, là aussi l'exemple d'une ville qui a renaît de ses cendres à travers un urbanisme moderne. Donc, notre premier souci, c'est la résilience. Comment on fait, la méthode. Et ensuite, deuxième souci, le numérique. L'importance du numérique dans la gouvernance de la ville. Et faire en sorte que ces deux thématiques, résilience et numérique, dialoguent entre elles, puisque le numérique aide beaucoup dans la gestion de la résilience. Notre prochain numéro de résonance ira dans ce sens. On y a trouvé comme titre la cité bleue, c'est-à-dire la cité qui n'est pas en conflit, qui n'est pas en concurrence avec ses voisines, qui n'est pas en conflit interne, donc qui est inclusive, et qui n'est pas en conflit avec son environnement économique et social. Quand je dis n'est pas en conflit, ça veut dire qu'elle n'est pas en confinement. Ce n'est pas qu'elle n'est pas repliée sur elle-même, mais ça veut dire que le moteur de sa croissance ne doit pas être de la concurrence. La méthode, là aussi, on est dans réflexion pour construire une méthode de gestion des crises, quelles qu'elles soient, avec cette espèce de noyau dur qui sera transversal à toutes les crises. C'est-à-dire susciter la coordination, faire en sorte que le maire organise le dialogue autour de lui, et deuxièmement, préserve le lien social. Et à partir de ce noyau dur, on va adapter une réponse aux différentes crises, qu'elles soient humanitaires ou météorologiques. Et enfin, je vous l'ai dit, le deuxième souci, c'est le numérique. Avec Dessiner Maire, on organise des séminaires sur l'importance du numérique, le lien entre la liberté individuelle et le numérique. Voilà, comme je vois que l'heure avance, j'en reste là. Merci beaucoup, M. Baillet. C'est utile, je pense, pour nos intervenants et pour les participants d'entendre parler peut-être un petit peu du niveau de la gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire, cette crise-là, dans la gestion des villes? J'ai peut-être une question assez rapide et puis on va passer aux questions-réponses, même si on est un petit peu en retard et je suis contente que Mme Valero va devoir nous quitter rapidement. Étant donné qu'il y a une autre conférence qui ne va pas tarder de votre côté. Mais si vous pourriez peut-être nous indiquer si vous avez constaté des stratégies hors du commun ou particulières ou un peu différentes d'autres dans certaines villes en réponse à la crise dans le contexte de l'éducation. Et pour moi, en ce qui me concerne, non, c'est à moi que vous vous adressez ou à Madame Valero? Oui, oui, d'accord. Écoutez, on a un réseau très divers, hein, qui part de Paris, Montréal, jusqu'à des petites villes, que ce soit en Afrique ou en Asie.
Donc, on ne peut pas vraiment. Le souci, c'est la sortie de crise. Tous les pays francophones sont soumis à la distanciation. Comment on va faire pour sortir de cette situation? Et comme la plupart des villes sont surtout des villes de services, leur économie est fondée sur le service, il va falloir anticiper les solutions sur le transport, sur les marchés, sur le sens de circulation, sur la nécessité d'étendre l'espace public pour pouvoir recevoir, recueillir tous ceux qui sont malades, ceux qui ont perdu un logement. Donc, c'est dans cette réflexion que nous en sommes. Très bien, merci beaucoup. On va passer aux questions-réponses qui sont dans le Q&A. Madame Valero, est-ce que vous avez le temps de rester avec nous une ou deux minutes de plus? Oui, bien sûr, oui. Bon, super. On a reçu un certain nombre de questions. J'essaie d'en voir un petit peu. Bon, une question n'est pas vraiment reliée à l'éducation, mais il s'agit de savoir si les masques de protection sont distribués à la population. Madame Valero, vous avez parlé tout à l'heure justement du rôle de la mairie dans la communication au sujet des masques. Donc, si oui, comment? Et sinon, puisque la population est confinée, comment la communauté arrive-t-elle à acquérir ces masques? Je vous laisse répondre en premier. Alors, comment les gens qui sont dans la rue que je vois avec des masques, y compris des masques FFP2, moi je suis chirurgien dentiste, alors les masques, je connais un peu l'histoire. Moi je suis très surprise de voir effectivement dans la rue des gens avec des masques FFP2 que personne n'arrive à trouver. Enfin bon, donc sans doute sur Internet, enfin bon, peu importe. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'au début, il y avait beaucoup de gens dans la rue avec des masques, et puis là, il y a quasiment plus de gens dans la rue avec des masques, sans doute que les stocks ont été épuisés. Pour ce qui est justement, j'étais sur mon téléphone, on était avec le prix des masques. Alors, chez nous, on a fait plusieurs choses. D'abord, chaque fois qu'on a eu des cartons de masques, essentiellement de la région Île-de-France, en l'occurrence, on est allé les distribuer. Alors, c'était 5 000, 8 000, 10 000, enfin, c'était beaucoup quand même. On est allé les distribuer nous-mêmes, la ville, aux EHPAD, dans les cliniques privées, à tous les médecins libéraux qui n'en avaient pas, aux infirmières, etc. C'est énorme comme travail. Tout à l'heure, au début de la conférence, sur mon téléphone, j'ai eu un message d'un ophtalmo que je connais bien, qui a mon portable et qui me dit comment je fais, etc. Ouais. Bon. Donc les gens, y compris l'ophtalmo, s'adressent directement à la ville. Les cliniques s'adressent à la ville pour avoir des masques. On a livré les pompiers, on a livré... Voilà. Chaque fois qu'on a eu des dons, comme ça, oui, y compris l'entreprise, on est allé livrer. Ça, c'est la partie de ce qu'on a pu faire. On est allé livrer les pharmacies qui n'avaient pas de masques autrement. Bon. Et puis, il y a la partie population, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on déconfine, et même normalement avant, bon, je reviens avec ma casquette de dentiste, mais moi, ça fait longtemps que j'ai un masque quand je sors. Alors moi, c'est différent, je les ai au boulot, donc ce n'est pas tout à fait le même approvisionnement. Mais et l'Académie de sciences vient enfin de dire... Voilà, qu'il faut vraiment emporter, et pas seulement le 11 mai, mais déjà quand on sort pour aller faire les courses. Donc là, on est sur plusieurs stratégies. Donc l'agglomération, on est en train de regarder les prix là, pendant que je vous parlais, j'écoutais. Par l'agglomération, on fait des commandes. Déjà pour tout notre personnel. Là, on vient de commander 1 million de masques chirurgicaux pour le personnel des 23 villes. Le personnel, ça va être... Sans doute les enseignants, quand on va reprendre, parce que je doute que l'État les fournisse pour les enseignants, mais des ATSEM, des animateurs, la police municipale, les gens qui sont à l'accueil, etc. Ça va vite, hein, en masque chirurgical. Et puis, on a commandé, l'agglomération a commandé deux masques alternatifs par personne, donc 700 000, ceux qui sont alternatifs en tissu, qui sont lavables, etc. Ceux-là, on va les donner, là, pour le coup, on va vraiment les donner à la population. Alors, comment? Je ne sais pas encore. Dans la boîte aux lettres, sans doute pas à la pharmacie, etc. Et puis, tout ce qu'on fait dans notre petite manufacture locale, là, avec nos bénévoles. Et moi, je suis très contente que des associations et des gens se soient proposés en disant « j'ai une machine à coudre, je peux faire, etc. » Tout ce qu'on fait là, ce sera toujours ça de prix. Parce que les fameux masques alternatifs, ils n'ont pas une durée de vie de 150 ans. Hein, au bout de X lavages, il faut les changer. Et puis, comme cette affaire de distanciation sociale va durer quand même des mois, il faut se préparer. Donc, tout ce qu'on fera dans la manufacture, on va aller le distribuer déjà à tout notre fichier senior, tous les gens qui ont le portage à domicile, tous les gens qui sont en situation de handicap, etc. Ceux qui n'osent plus sortir parce que justement, ils n'ont pas de masque. Donc, voilà. En fait, on va se charger, une fois de plus, de beaucoup de choses, y compris de,
de coudre des masques et de faire ce genre de choses. Mais bon, les villes, c'est ce que je disais au début, les villes sont toujours en première ligne sur tous les sujets. Et toute la journée, on reçoit des mails de gens qui disent « c'est quand qu'on a des masques ?» Où est-ce qu'on va avoir les masques, etc. C'est le principal sujet de préoccupation des familles, des gens en général, mais des familles. Le deuxième sujet, quand même, évidemment, c'est le déconfinement à l'école, ce sur lequel on est en train de travailler, pour lequel on n'a pas encore de directive sanitaire. On ne sait pas s'il faudra mettre des masques aux enfants, par exemple. Et si c'est le cas, on n'a pas de masque enfant. On a très peu de masques enfants. Pas pareil un gamin de CP qu'un adulte. On ne sait pas si on doit fournir donc, du coup, les masques aux instits, mais on ne sait pas si on doit faire des groupes de 5, de 10, des demi-groupes, la moitié de la journée, la moitié de la semaine, etc. Là, on est quand même dans le flou total pour quelque chose qui, normalement, devrait démarrer le 11 mai, c'est-à-dire dans pas longtemps. Et une fois de plus, ce sont les villes qui doivent évidemment désinfecter les locaux, fournir les masques, le gel hydroalcoolique, etc. C'est un peu d'organisation dans les grosses villes quand même, dans les petites villes aussi sans doute, mais dans les grosses villes, c'est énorme. Les services vont travaillent comme des fous pour ce sujet-là. Mais ce qui m'inquiète par rapport aux gens, pour revenir au sujet éducatif, ce qui nous inquiète quand même ici, c'est que l'école va sans doute rouvrir le 11 mai ou le 18, ou peu importe, en fonction des niveaux, ce n'est pas tellement le problème. Le problème, c'est que les gens ont peur. Et que de ce que je lis sur Facebook, les réseaux sociaux liés à la ville, tous les gens qui devraient être concernés par... ramener les enfants à l'école parce que les enfants sont éloignés de l'école, ce sont justement ceux-là qui écrivent qu'ils vont garder les enfants à la maison et qu'ils ne vont pas les mettre. Majoritairement, les gens ne vont pas les mettre, d'autant que ça n'est pas obligatoire. Ça ne risque de pas être obligatoire. Et donc, ceux à qui on s'adresse normalement le plus, ce sont ceux qui iront le moins. Et ça, c'est quand même un sujet. Ça veut dire que ces gamins-là, ils vont être out jusqu'à l'été. Puis après, il y a l'été. Et puis en septembre, il ne faut pas rêver, on ne reviendra pas à l'école comme avant. Hein. Il y aura encore du virus. Donc tous ces temps-là, qu'est-ce que deviennent effectivement les enfants? On a un gros boulot à faire sur l'été dans ces villes-là, comme les nôtres, parce que les enfants qui d'habitude vont à l'étranger ne vont pas aller à l'étranger. Donc ils vont se retrouver en banlieue, un peu perdus, etc. Une fois de plus, la ville doit mettre en place des choses ludiques dans les maisons de quartier, en plein air, je ne sais pas où, il faut qu'on travaille dessus, gratuite, parce que sinon ça ne marchera pas, etc., etc. Voilà. Merci, je pense que vous nous avez amené toute une panoplie de sujets supplémentaires en plus des masques, mais c'est vrai que ça, cette notion de gouvernance dont nous parlait M. Baillet est rappelée justement par le rôle et l'implication des associations et des groupes autres que simplement les gouvernements municipaux dans la réponse à la crise, que ce soit au niveau éducatif ou dans la fabrication de masques, etc. Et puis cette inquiétude un peu post-Covid de qu'est-ce qu'on va faire et comment on va s'adapter concrètement au futur et au futur très proche. Donc je pense que ça peut être un sujet aussi de discussion qu'on pourrait aborder nous d'un côté, un peu à savoir comment se préparer à un changement total de mobilité même des étudiants. Est-ce que je peux... Voilà, Monsieur Baillet, je vois que... Oui, simplement vous dire que les gels hydroalcooliques et les masques, pour nous, c'est un moyen de continuer à permettre à l'économie sociale et solidaire de se développer. Donc, on soutient beaucoup d'entreprises d'économie sociale et solidaire dans Madagascar, au Cameroun, puisqu'il y a un représentant du Cameroun en la matière. Merci. Monsieur Sefiani, je pense que vous avez aussi un commentaire à apporter. Oui, par rapport à cette question des masques, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait donc le secteur textile marocain, il a été mobilisé dans ce sens pour une production en masse des masques, mais aussi il y avait des décisions importantes au niveau du gouvernement marocain concernant les prix. Les prix ont été fixés pour ne pas avoir, bien sûr, un problème au niveau d'un opportunisme inadéquat par rapport à la situation. Donc, je vous donne par exemple un exemple. Ils ont été fixés le prix 10 masques à 0,8 €. Voilà. Donc, moins d'1 € pour 10 masques. Et même un système de distribution, comme j'ai dit tout à l'heure, une distribution de proximité. Même les épiceries d'à côté, dernièrement aussi les pharmacies, les grandes surfaces,
bien sûr, en respectant bien sûr la distanciation sociale et aussi le port de ces masques-là pour l'approvisionnement et le renouvellement de son stock. Merci. On produit plus de 5 millions maintenant de masques au niveau Maroc, donc on est dans une voie qui est normale. On pourra même, c'est prévu de les exporter très prochainement par des. J'ai été sollicité par un maire dont nous avons une relation de partenariat et je l'ai mis en contact avec un fournisseur. Une fois que le gouvernement marocain va autoriser l'export, bien sûr, bienvenue à l'ensemble des maires pour s'approvisionner. Merci. Monsieur Fekwa, je vous laisse commenter très rapidement sur cette question. Oui, par rapport à la question de la fabrication des masques artisanaux, selon que homologué, le maire en a acquéri pour le personnel communal déjà. Donc, actuellement, le gouvernement central également a édité des normes et des unités de production sont mises en place. Donc, je suis sûr que dans quelques jours, nous aurons accès justement à tous ces éléments. Très bien. Je vais être obligée de vous laisser, je suis désolée. Merci, Madame Valero. Merci de votre participation et votre intervention. Merci à tout le monde. C'était super intéressant. Je crois qu'il y aura quelques-uns d'Evry qui vont continuer à regarder la suite. Et puis, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Donc, juste avant de passer à la dernière question, et c'est plus un commentaire peut-être et une question même relativement, une question très globale, je voudrais juste donner la parole à Monsieur Daoudi qui est connecté et qui a donc levé la main à travers Zoom. Et il me semble que Monsieur Daoudi a quelques commentaires à faire par rapport à une ville marocaine. Monsieur Daoudi, est-ce que vous êtes là? Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Parfait. Ah, très bien. On ne vous voit pas, mais est-ce que vous avez un commentaire à faire en particulier ou est-ce que vous souhaitez intervenir et parler? Tout d'abord, je salue tout le monde. Merci de m'avoir invité. Je salue le Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO. Je voudrais juste apporter une précision à ce qu'a dit mon collègue M. Sfiani. Et donc, j'aimerais bien qu'on resitue un petit peu le contexte du Maroc en général. Le Maroc reçoit environ 10 à 12 millions de touristes par an. Et donc, en majorité, c'est des gens en provenance d'Europe. Et là, je voudrais revenir vers le chiffre actuel des cas déclarés qui est de 3554 à ce jour, qui est un chiffre, je dirais, qui aurait pu être un chiffre beaucoup plus grave si la célérité de la prise de décision, des décisions préventives n'était pas à la hauteur, on serait sur des dizaines de milliers ou je ne sais quoi. Parce que le plus difficile, c'est de prendre la bonne décision au bon moment. C'est à ce moment-là, lorsque vous décidez de fermer votre économie, fermer votre pays, et de là à accepter des milliards d'euros de pertes économiques, c'est une décision très difficile. Mais je vous dis, les 3557 cas déclarés ont évolué sur environ 8 semaines, ce qui est un exploit pour un pays qui reçoit beaucoup de touristes, qui est dans un carrefour et qui reçoit beaucoup de monde. Et donc là, grâce à une politique qu'a mis Sa Majesté le Roi Mohamed VI, elle est simple, elle est claire, c'est-à-dire on fait passer la santé de la population et des citoyens, les citoyens marocains, par rapport à l'économie. On sauve les vies et après on pense à l'économie. Et ça, et de là, toutes les mesures préventives qui ont découlé de ça peuvent s'expliquer. Donc, une fois que vous décidez comme ça, vous prenez toutes les décisions préventives, vous fermez votre espace aérien, la série de mesures dont a exposé mon collègue était assez clair. Et donc, ça nous a permis d'éviter le pire. Bien sûr, les vies aujourd'hui, grâce à ces décisions-là, pourquoi je suis revenu sur ces décisions? Parce que grâce à ces décisions-là, les villes marocaines sont aujourd'hui
dans une situation un petit peu par rapport aux autres de confort. Aujourd'hui, la plupart des villes marocaines, c'est zéro cas. Ma ville, Guisser, qui est candidate au réseau par l'occasion, et elle est à zéro cas. Et donc, la plupart des cas se sont concentrés sur 3 ou 4 grandes villes, et qui est la situation aujourd'hui, grâce à ces décisions-là, et sous contrôle. Et donc, les villes peuvent maintenant, dans une situation de confort, de jouer le jeu de la proximité, de donner les aides alimentaires, de procéder aux mesures de maintien de la salubrité et des mesures sanitaires. Donc à ce moment-là, c'est ce qui explique le fait qu'au Maroc, la situation est restée sous contrôle. Voilà un petit peu merci. Où je voulais en venir. Merci, Monsieur Daoudi. Merci beaucoup pour cette intervention et de nous avoir donné une perspective supplémentaire sur ce qui se passe au Maroc, justement, et le cas dans lequel vous vous trouvez avec beaucoup de cas zéro dans les villes. Ça reste assez intéressant. Pour les masques, si vous permettez, pour les masques, 10 secondes. 10 pour secondes, masques, vous avez 10 secondes. Hein. 10 secondes. Pour les masques, nous sommes aujourd'hui à une production journalière de 6 millions de masques par jour, aux normes. Nous passons dans la semaine qui suit dans les 8 millions de masques par jour et qui sont généralisés à tout le monde. Donc voilà, c'est une mesure préventive en plus qui a permis aussi de limiter la propagation du virus. Ouais, merci beaucoup. Alors je vois qu'on a beaucoup de commentaires. On n'a plus du tout de temps malheureusement pour les patients, pour poser des questions aux intervenants, mais je souhaite simplement mentionner, donc on a un commentaire de la part de Monsieur Moussaïd au niveau de la ville de Ben Guerrier, je crois qu'il s'agit aussi du Maroc, qui nous communique que il y a beaucoup d'encouragement pour les jeunes entrepreneurs de se lancer dans la fabrication de masques localement. Donc c'était aussi la question de fabrication artisanale comme il était le cas au Cameroun. Je souhaite aussi juste faire remarquer le commentaire de la part de Monsieur Slimani. Il est question de disponibilité des ressources matérielles et technologies au sein des familles vulnérables. Mais aussi quant à savoir donc, quand la ville est pauvre et ne peut pas apporter un soutien logistique, ne pensez-vous pas qu'il est important de profiter de cette occasion pour mettre en valeur l'importance de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes dans le cadre d'une approche intergénérationnelle de l'éducation et de la promotion de l'alphabétisation familiale pour assurer l'équité entre enfants dont les parents sont instruits et ceux qui ne le sont pas, surtout en situation d'apprentissage à distance où l'accompagnement des parents est nécessaire. C'est une question qui a été posée et c'était un des sujets de nos webinaires thématiques il y a 2 semaines sur l'apprentissage des familles, l'alphabétisation au sein des familles. Je vous invite vraiment à consulter ce webinaire qui est disponible sur notre chaîne YouTube. On va remettre le lien vers notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir visionner justement ce webinaire où beaucoup de villes ont partagé leurs ressources dans la promotion de l'apprentissage intergénérationnel et au sein des familles. Et on vous invite aussi, Monsieur Slimani et d'autres, à communiquer avec nous différentes stratégies que vous avez peut-être pu mettre en place dans cette thématique-là, et aussi de consulter les différents ouvrages qui ont été développés à l'UIL sur cette thématique. C'est une question très, très intéressante et qui revient souvent dans le contexte du Covid-19, étant donné qu'on se retrouve chez soi, avec les familles. Et donc, il est toujours question d'un apprentissage qui n'est pas particulièrement équitable. On a aussi un commentaire de la part de Nguyen qui observe que les familles pauvres ont de leur manque de compétences technologiques et lorsqu'ils demandent de l'aide à des voisins ou des enseignants, les personnes les aident, mais parfois certaines personnes aussi peuvent manquer de patience et ne prennent pas le temps donc de faire un apprentissage complet avec ces personnes-là, et effectivement ces personnes-là donc arrêtent tout simplement leur apprentissage. C'est une thématique intéressante aussi qui a été discutée dans ce webinaire dont je vous parlais sur l'apprentissage au niveau des familles, la fabrication au niveau des familles. Je vous invite de nouveau à consulter. Ma collègue justement qui travaille sur ce dossier-là vient juste de mettre à jour sur le chat certaines ressources. Je vous invite à,
Allez consulter, voilà. Donc, je vous remercie tous, à la fois les participants pour vos questions, mais surtout les intervenants pour vos présentations toutes très, très intéressantes et enrichissantes. Nous allons donc établir un rapport sur ce qui a été discuté et puis mettre tout cela sur notre site web. Jusqu'à présent, tous les résumés des différents webinaires sont disponibles sur le site web en anglais pour l'instant. On fait de notre mieux pour les avoir en français assez rapidement. Je vais inviter M. Achuayrena à faire quelques remarques de clôture. Et puis, je vous invite aussi à nous rejoindre la semaine prochaine pour notre webinaire sur la santé mentale et le bien-être. Merci beaucoup. Merci, je vais être très rapide puisque nous n'avons plus beaucoup de temps, juste pour souligner bien sûr à la fois la diversité des contextes et des réponses qui sont apportées par les différentes villes qui se sont prononcées aujourd'hui, mais peut-être pour souligner trois dimensions, trois champs d'action qui sont revenus, je pense, dans les différentes interventions. Tout d'abord, l'importance de l'action municipale pour briser la chaîne de contamination. Et à cet égard, nous avons eu des exemples intéressants sur l'importance des campagnes de communication et d'information qui sont mises en œuvre par les autorités municipales et qui sont déterminantes précisément pour ralentir, voire stopper la progression de la maladie. Le deuxième thème, et je crois que c'est peut-être ce qui concentre l'essentiel à la fois des efforts, mais aussi des préoccupations, tourne autour de la question de la continuité pédagogique et comment les municipalités peuvent accompagner ce processus qui repose, on l'a vu, très largement sur le numérique, dans des contextes où malheureusement toutes les familles n'ont pas accès à l'ordinateur ou à Internet. Il y a des contextes dans lesquels également les disparités sont grandes en ce qui concerne la capacité des parents à accompagner les enfants. Donc là, on a vu à la fois des préoccupations sur la question du décrochage, la question des abandons finalement, mais aussi un certain nombre d'actions qui sont mises en place par les villes pour accompagner les parents, pour dans certains cas équiper les parents, et puis également pour promouvoir l'utilisation d'autres médias comme en particulier la radio ou la télévision. Et puis le troisième axe, qui est, je pense, dans lequel vraiment se déploie toute l'action municipale, c'est la protection des publics les plus défavorisés. Donc, on l'a vu à travers les trois exemples, et peut-être l'exemple du Cameroun est peut-être à cet égard particulièrement illustratif, compte tenu de la grande disparité de situations au sein des communes finalement qui constituent la ville de Mayo-Baléo, et pour lesquelles il est important d'avoir vraiment des services qui s'appuient aussi sur la participation des communautés. Donc la participation communautaire est également très importante à cet égard, également pour coupler les actions éducatives avec d'autres actions, notamment sur l'aide alimentaire et sur la protection et la prévention de la violence au sein des familles. Donc je crois que la question, au-delà de ces actions immédiates, la question à plus long terme, c'est bien sûr la reprise, si je puis dire, la reprise du fonctionnement et la reprise du processus et du fonctionnement de l'école dans des conditions normales. Et donc toute l'importance du thème de la résilience qui a été souligné par M. Ballier, qui est d'autant plus important, effectivement, compte tenu de l'incertitude dans laquelle les villes se trouvent, et cela dans toutes les régions du monde. Donc toute cette réflexion sur la résilience et comment accompagner et renforcer cette capacité de résilience me paraît déterminante, et c'est un thème qui, je pense, bénéficiera encore et a besoin de davantage de solidarité, d'échanges entre les villes. Et je pense que les échanges tels qu'ils existent déjà à travers le réseau des villes apprenantes de l'UNESCO, mais aussi à travers l'association des maires francophones, seront tout à fait importants et utiles pour continuer finalement à améliorer les réponses et à préparer l'avenir.
Voilà, je voudrais moi aussi à mon tour remercier l'ensemble des participants pour leur contribution. Je pense que ça a été très riche et je pense que nous pourrons, au cours des semaines qui viennent, poursuivre ces échanges pour voir comment les rendre encore plus opérationnels, si je puis dire, dans l'action quotidienne des villes membres du réseau. Voilà, je vous remercie donc, et au revoir et je vous donne rendez-vous donc pour le prochain webinaire qui se tiendra la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.